Bricouri, nouvelle la Simaye. International la, kembe gouvernement PM Ariel Henry, kabay, pepa ici, kout kouton nan do. Rezo ki fe, pays Canada ak États-Unis pa vin aide Haïti fe face à crise gang et sécurité ki gen la, c'est parce que yon jwenn gouvernement en place la, impliqué nan crise ki gen la pou fe bè yo. PM Ariel Henry, ouais, yon kembe tout bon vrai, reza ki gen la, li utilise yon nouveau tactique. Nous connaissons l'intelligent, c'est même PHTK yo. En tout cas, franchez ou chita, nous pral dou kose, nous pral bon bon jan d'état à vérité qui gagne nan crise qui gagne nan pays d'Haïti là. Eh bien, international la même coup pilat li di li même li pa nan bagay ça. Avant tande nous qui pral bon jan d'état à vérité, m'a dou pour boiti de l'eau parce que ou va faire gros saisissement. En tout cas, bonjour, bonsoir, zami fidèle mwen yo, comment nous y? C'est toujours un plaisir pour moi à chaque fois. Moi j'ai chance pour me chita nan miko sa pour m'informer vous. Pas hésiter, like nous, abonner et puis peser sur cloche notification parce que immédiatement ou peser sur cloche notification depuis la yon information arrive droite sur appareil ou à l'instant. Gen yon parole qui dit comme ça, la fime pa jam leve sans dife. Gros mauvais nouvelle pour pays d'Haïti. International la lave mil coupilat yon déclaré pas gen pièces raison pour porter si pour bail pays d'Haïti dans crise qui est là. Même Jean pays Canada fait qu'on est yo lave mais coupilat yo pas incapacité pour venir mener une opération sécurité dans pays d'Haïti. Cause dans crise pays d'Haïti est là, peuple haïtien ka résoudre ti ça, yo ka gérer ti ça parce que pour Jean regarder pays ça est là. Et puis tout yon est peuple arrêté, c'est un coup moun kap dormi. Et puis tout bon pile bagay qui fait dans le pays là, et puis yon juge li nécessaire, ça qui est dans le pays d'Haïti là, peuple haïtien li même ka gérer ça qui est là. Et bien, réseau qui fait international la lave mel coupilat, yon pa vle pote aide by Haïti, c'est parce que international la kembe gouvernement PM Ariel Henry qui implique dans crise qui gen là dans le pays d'Haïti là, yon même fait qu'on est. Yo jwenn gouvernement PM Ariel Henry tenan bloqué pays ya nan question gaz. Yo bloqué terminal Varé parce que nous konnen yo te monté gaz la. Peuple haïtien décidé fon gros manifestation pays lòk, et bien gouvernement te tout entré nan même mouvement ça. Yo bloqué terminal Varé yon façon pour ka faire peuple la habiter avec prix gaz la. Ou konnen peuple la tapé d'acheter galon gaz 500 600 dollars 700 dollars, et bien yo konnen peuple la ta vin bouke. Yon jou, yo ta rive accepter prix gaz gouvernement PM Ariel Henry. Eh bien, yo jwenn gouvernement impliqué nan bloke pays ya. Nan pays lòk ki te fait la gros déchoukay, eh bien, nèg yo itilize gang yo ki se G9 pou te ka bloke terminal Varé. Ça c'est international la ki wè bagay sa, ki dénonce gouvernement PM Ariel Henry. Yo di, yo pa pote sipò pa pays d'Haïti parce que ça gen la nous ka jiril. Eh bien, nous songe gouvernement Jovenel Moïse là. Gouvernement Jovenel Moïse là, li yote décidé pour te monter gaz là. Yote dit comme ça, y a mette 10 goud ou bien 15 goud sous gaz là. Eh bien, pour te 10 goud à 15 goud, gouvernement Jovenel Moïse a te vle mette sous gaz là, yo bloqué pays à sous Jovenel Moïse. Eh bien, Ariel Henry lui-même li pa la monter, il mette plus passé un quoi, on 40 goud sous gaz là. Eh bien, peuple là, bouche nil, yo bre, gros senti. Eh bien, gouvernement, yo kembe gouvernement PM Ariel Henry nan fè corruption. Yo kembe gouvernement PM Ariel Henry nan bay peuple haïtien kout kouton nan do. Eh bien, international là, li wè kwa. Et yo comprenn, jouet PM Ariel Henry ap joué avec peuple haïtien. Eh bien, si Jean pays sa yé là, et puis, gouvernement rive fè carnaval, plusieurs milliers de monde, je n'ai pas regardé sur l'écran là, arrivé prendre la rue, c'est que bagala pas Jean yo pensé. Imaginez, tout le monde ça on a regardé sur l'écran là, c'est monde qui vient dans carnaval, plusieurs milliers de monde qui vient défouler yo, plusieurs milliers de monde qui vient distraire yo. Et puis tout international a remarqué pour Jean pays d'Haïti là, mon a peur de quitter pays là, aller dans notre pays à cause insécurité. Et puis tout, gen tout le monde ça qui réuni dans carnaval, et bien international a dit comme ça, quiet, bon faut analyser parce que ça gouvernement pays d'Haïti vinn di nou la yo besoin support à cause insécurité gang la vie chère
yo pa ka fonctionner moun ap kite peyi a et bien yo di ça li impossible parce que moun sa yo ki vin nan carnaval la si te ki insécurité tout bon vrai c'est long international la tout moun sa pa t'ap réuni si l'état gen capacité pendant 3 jours carnaval pour sécuriser tout moun sa yo plusieurs milliers moun pa gen kidnapping ki fait pa gen moun ki mouri pa gen an rien ki fait de compte ki gen avec ki gen rapport avec sécurité et bien yo di peuple haïtien ka gère ti ça l'état haïtien li amezi pour ka mette solution nan pays d'Haïti a li même pour résoudre crise ki gen nan pays a et bien Pierre Mariel Henry qui sont intelligents monsieur vous nous bien monsieur sont yo intelligent monsieur vous nous bien joue PH ka sa yo pas égaré et bien Pierre Mariel Henry qui se yon intelligent li utilise dernier pion quel gen là qui c'est force de l'ordre qui c'est FADH qui c'est ti monsieur dame l'armée yo et bien li fait un appel avec l'armée d'Haïti pour ka pote coller avec PNH là pour résoudre ça gen là dans pays a crise là pour ka combattre contre gang yo en tout cas branchez ou chita on a regardé ensemble qui Jean Pierre Mariel Henry t'a parlé avec l'armée a pour te demander yo est-ce que prêt est-ce que vous parlez pour bail pays yo coûte mais pour travailler des concerts avec la police en tout cas on donne ensemble m'a tourner après après beaucoup de réflexion et de consultation j'ai décidé de venir vous voir ce matin avec tous les membres du gouvernement. La situation nous interpelle et nous répondons présents. Je suis là pour vous dire ce que le gouvernement de la République et le peuple haïtien attendent de leurs forces de sécurité. L'heure est grave. Situation malouque. Chaque jour, force fait noyau à avaler plus terrain. Pays noir a vivre un moment difficile. Quelques graines a tout fait, pas respecter femme. Quelques graines bandit, pas respecter bien monde. Quelques graines haïtien, pas respecter la vie, pas respecter la loi. Depuis plusieurs mois, d'un côté, moun pas ka passer. De l'autre côté, moun s'est obligé quitter kayo, prendre refuge sous place publique ou bien kay zami. Ce n'est pas même gen assurance que gang armé pap réenvahir. Moi à l'écoute réflexion population. Moi tendez sa compatriote nou yo a dit sur radio, dans les réseaux sociaux. Et là, yon relim nan téléphone. Yon dim, pour qui ça, gouvernement, pa bay la me l'ode, pour bay la police, yon coup de main. Mwen ta remè sa clé pour tout moun. Zafè mè tien l'ode, kouri de volè, arrêté assassin, fè respecter la loi, et assurer sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail ça yo, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police pas multiplié opération contre gang yo, situation t'a pas fini net. Leur situation dépassée niveau sécurité publique pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative et la police judiciaire pas formée pour faire face à problème sécurité nationale. Unité spécialisée qui dans la police là pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a vu journée jodi a c'est parti affaire. Ça n'a vu journée jodi a c'est plusieurs groupes bandits
qui nan men yo toute qualité gros âme fond foi et qui déclarait peuple haïtien la guerre. Là c'est pas un problème de sécurité publique, c'est un problème de sécurité nationale. Devoir gouvernement c'est bail citoyen yo sécurité pour toute activité économique, politique et sociale qu'a fait libre et libre pour tout monde qui a l'école sans qu'elle saute. Pour ça nous obligé dégager nous pour nous couper toute gang qui a simé la terre avec panique dans mitan population. Il y a un pile petit pays à femmes ou garçons qui choisit sa vie, ce pays, le rentrer dans l'armée. Il prend formation ici, tant que l'autre bord de l'eau. Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans mineurs qui vont être instructeurs, qui ont une bonne formation sous place, ou qui recevra plusieurs centaines d'ambios dans la base de la CAIO pour entraîner. Nous fiers aujourd'hui pour nous voir quelques dans yo dans bel uniforme yo aligné devant nous. Que la situation du pays devient difficile, que des entreprises ferment, que nous perdons des emplois par milliers, que la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs. Il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple après l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité, celle qui a créé notre pays. Il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés. Liberté de circuler, liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers, et à nos soldats, qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves, on avance sur l'histoire. Précurseurs et défenseurs des droits humains. Dans un monde où les questions raciales déterminaient le destin des hommes et des femmes. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient. Même si Haïti vit depuis un certain temps une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti. Une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia, nous besoin tous force sécurité nous. Nous besoin détermination qui déhabitait l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée. Énergie l'armée à collaboration yon peuple haïtien uni. Pour nous mettre fin à zak criminel kap fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut que bagay ça fini. Moi, je viens de dire aujourd'hui, peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'ordre de nous.
Moi, je viens de dire, pays a besoin de nous tous. Moi, je viens de dire, il fait noir depuis trop longtemps. Parole là, parle de tous côtés. Dans tout département. Tout partout sur la terre, côté qui est haïtien. Pays pas contre coupé, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il y a un pile bagaille qui passait. Mais, n'a compté sur tout ça qui était passé, déjà, comme expérience. Pour nous faire tout ça qui est possible pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands pèlerins. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui, n'a continué à faire sacrifice pour nous joindre moyens pour nous équiper toute force sécurité nous puis bien. Bayo ça y a besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nous demander. Marchez vraiment dit, croyez toute gang qui déclarait nous la guerre. L'union fait la force et nous à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. Haïti Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, nous venons aujourd'hui pour nous constater que nous parer pour nous mener une bataille ça, bataille contre l'insécurité. Nous venons joindre nous pour nous travailler la main dans la main à force policière dans la bataille contre l'insécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moi connais que nous parer pour nous servir pays noir pendant la prospérité droit tout le monde. L'armée avec la police cristalliser l'espoir gros changement dans la question sécuritaire qui c'est première préoccupation peuple haïtien jodi a. L'histoire passée, l'histoire récente, nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Quand nos partenaires et nos amis le pourront, ils nous viendront en support. Nous comptons encore sur eux. La tâche ne sera pas facile. Mais grâce à votre courage, votre engagement, votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police. Nous comptons sur l'armée. Nous comptons sur le support peuple haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti.
tout cas, nous tendez qui Jean Pierre Marie Henry t'a parlé avec la mère et nous tendez qui ça qu'elle dit. Vraiment vrai, nous et messieurs dames la mère yo dit auprès d'ailleurs nous connaît grand pile nèg là qui mobilisé ou ça gain là yo ka gérer. Déjà yo konn habite mete pi yo atè déjà, nous té wè exact té passé nan kwa et kwa des bouquets avec ti messieurs et nèg 400 maozo yo, yo capable. Eh bien, Pierre Marie Henry fait un tweet sur compte Twitter li, femme ou bien PM nan parlé, li pose trois gros questions avec messieurs dames l'armée d'Haïti yo. Li dit officier, sous-officier, soldat, voilà li mentionné trois noms. Il dit est-ce que nous paré pour mettre main dans bataille ça contre insécurité a? Est-ce que nous paré pour travailler l'armée dans l'armée avec force police là, force policiers pardon, dans bataille contre insécurité a? Li pose troisième question ça, li dit est-ce que nous paré pour nous servir pays nous pendant n'a respecter droit tout le monde? Eh bien, c'est trois gros questions ça yo PM Ariel Henry posé messieurs dames l'armée yo. Mais est-ce que nous songe, attendez bien, voilà m'va ouvrir une parenthèse, nous voulons nous prêter attention à ça m'va dire là. Mais est-ce que nous songe année passée te gen yon wo état major qui dans l'armée pays d'Haïti lui te mandé l'état haïtien au moins des hélicoptères d'assaut pour te ka combattre bandi nan pays d'Haïti ya. Yo di yo capable, yo ka goumen avec nèg sa ou ki kembe pays en otage la. Jou sa me sonje grand moun nan kriye tankou ti bébé devant la presse, franchement kèm te fè mal parce que grand moun nan indigné. Bandi pa ka fin nan pays a comme ça, c'est ça le dit. Li di li même avec l'armée ya nèg ti messe dam l'armée yo, yo di li te li mande l'état au moins des hélicoptères d'assaut. Li pa mande en pile. Yo gen nèg pou sa, yo besoin matériel pou ka combattre sa gen la. Fòm ou bien, m kwè ke si apre ti mesye dam et mesye swat yo te fè échec nan vilay de Dieu, m kwè se sa apre ba sa. M pa fin sonje, mais m rapèl m parol sa, m rapèl m evènman sa. Kote gran moun nan te kriye, imagine nou la ou on a kriye, deske li indigné, sa fè triste. Et bien li te mande l'état des hélicoptères d'assaut pou te ka combattre, pour te ka sauver pays a nan sa ke li la. Grand moun nan kriye tan kou ti bébé. Sa pidol la devant micro la presse, devant caméra la presse, li kriye parce que li indigné, li di pays a gang pa ka kembe pays a comme ça. Jounen jodi a la, kont hélicoptère te mande a. Pa gen l. Kounya la international la fè virer do ba nou, li di sa gen la, c'est nous ka rezoud li parce que si nous gen capacité pour sécuriser plusieurs milliers moun nan carnaval, et bien là, nous ka sécuriser peuple haïtien. Nous ka résoudre crise qui gen là. Eh bien, kounya la Pierre Marie Henry fait appel avec force l'armée d'Haïti pour porter coller avec la police pour ka travailler de concert pour ka combattre gang yo pour mettre sécurité dans pays a. Kounya la dame konnen, est-ce que Pierre Marie Henry pour répondre avec demande ou état major te faire quand elle demander des hélicoptères d'assaut. Faut que yo bay messieurs dames l'armée yo matériel. Si n'a fait commande 8 chablende, PNH a gen 6 ou bien 4, et puis tout, l'armée a gen 4. Si PNH la commande yon de camion zam, et bien n'a bay messieurs dames l'armée yon camion, et puis tout, n'a bay PNH la yon camion bal. En tout cas, m'dame konne, est-ce que Pierre Marie Henry pour répondre avec demande ou état major ça te fait dans année qui s'est passé là pour te demander l'état haïtien au moins des hélicoptères d'assaut pour te ca combattre gang ça yo qui gen dans pays là. En tout cas, eh bien c'est une façon de gagner pour aujourd'hui là, pas hésiter, like nous abonner et puis peser sur cloche notification parce que immédiatement ou peser sur cloche notification depuis la guillon information là rive droite sous appareil ou à l'instant. Les gars, moi-même, malé, n'a quoi ça, vem, dans une prochaine émission.